Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien ce matin. Oui. Comme vous entendez, il y en a un qui est en très bonne forme. Oui. Qu'est-ce qu'il veut raconter? Puis papa qui est à côté. Bonjour tout le monde. Voilà. Sébastien est de repos aujourd'hui, donc c'est cool, on en profite. Et moi, je peux avancer sur plein de choses, du coup. Bah oui. Warren devient de plus en plus bavard. C'est vraiment l'âge, après les 1 an, où là, ça commence à devenir... Il a failli tomber, là. Intéressant, en tout cas. Moi, j'aime bien cet âge-là, à partir d'1 an, c'est vraiment marrant. Quand ils sont bébés, j'adore aussi, hein, mais c'est pas pareil, quoi. Ils sont moins... Ouais, on mange, on dort, c'est pas pareil. Oui, mon chéri. Le bateau. Donc là, en fait, du coup, on a préparé, enfin, du moins, Sébastien a été préparé le repas de Warren. Qu'est-ce que tu as fait, chéri? Une panière de légumes. Ouais. Avec y a des pommes de terre, des brocolis, des petits pois, enfin, un petit mélange de légumes. Avec un petit morceau de. Certainement de poulet, de viande blanche. D'accord. Donc voilà que je vais faire cuire tout doucement. Bon, ça c'est pas encore fait, mais je vais le faire, ça va être fait rapidement. Voilà, donc ça c'est le menu pour Warren. Et puis nous, après, on s'est dit, ben nous, qu'est-ce qu'on mange en fait? Puis j'ai dit à Sébastien, je sais pas, parce que c'est vrai que moi, midi, et je m'en rends compte, je ne mange pas énormément. Je ne prends pas le temps de me poser, c'est pas bon du tout pour l'organisme. Donc du coup, on va réfléchir à ce qu'on va faire pour nous. Mais je voudrais pas quelque chose de trop chargeant, quoi. Oui, mon chéri, oui. Qu'est-ce que tu me racontes? Oui. Tu fais câlin? Oui. Oh. Warren, il est très, très, très câlin. Très câlin. Il fait beaucoup de bisous, de câlins. Tu vas faire un câlin à papa? Un câlin à papa? Tu vas faire câlin à papa? Oh. Tu fais câlin à papa? Oh, c'est bijou ça. Clément, pas du tout quand il était petit, mais il détestait ça qu'on le porte et tout. Il voulait être libre, courir. C'est un petit garçon actif. On dirait qu'il veut parler à la caméra. Tu veux parler à la caméra? Bon, moi sur ce, je crois que je vais continuer. J'ai encore 2-3 trucs à faire dans la maison en ménage. Donc rien de très intéressant. Puis après, on va voir ce qu'on va faire avec Sébastien. On va réfléchir. Oui. Hein, on va trouver une activité. C'est clair. Bon, on est au parc, on en profite parce qu'il y a vraiment un beau soleil. Il a fait très frais ce matin, mais par contre, il y a quand même du soleil, donc on profite quand même de prendre l'air. Alors, tu me montres comment tu fais le toboggan? Allez. Celui-ci, il est grand pour lui, hein. Faut prendre l'autre. Ouh. Il y en a un, en fait, de l'autre côté, qui est plus petit. Puis les chaussures, elles sont adhérentes. Hop, attention, Warren. Non, faut pas monter par là, Warren. C'est dangereux, hein. Bah oui, hein. Tu veux refaire. D'accord. On va peut-être faire l'autre de l'autre côté, non? Oui. Tu t'allonges? Oh non, on y va. Les pieds, là, regarde. Ça adhère. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ah, ça c'est une grande balançoire, ça. Tu peux pas monter dessus. On peut faire l'autre si tu veux. Tu veux monter? Oui? Attention! Boum! Donne-moi ta suce un peu, là. Il veut pas me donner sa suce, hein. Il n'en a pas besoin. Alors, c'est bien parce qu'on a le parc pour nous tout seul. Les enfants sont à l'école, donc à cette heure-ci, il est évident qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants. Papa, il te donne un peu d'aide? Oui. Tu vois maman là-bas? Oui, t'es content, hein? Tu es content, tu rigoles.
Très beau aujourd'hui. Donc du coup, on en profite. Chut, doucement. On en profite du coup. Maman. Oui, ma chérie. C'est parce que tu veux te voir. Ah oui. Allez, je pense qu'il est fatigué. Il s'est bien dépensé ce matin. Au parc, il a beaucoup marché. Fait de la balançoire, du toboggan. Donc du coup, je pense qu'il est fatigué. Il va bien dormir. Il n'a pas beaucoup dormi ce matin, comme par hasard. Mais bon, c'est pas bien grave. Bon, on passe à table. Regardez la belle salade que Sébastien a faite. Non, mais on mange rapidement, c'est vrai. Et moi, en fait, je me suis juste rajouté un fruit sec ici, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça ressemble un peu à la noix. Voilà, je l'ai émincé, je l'ai coupé, et puis je l'ai rajouté par-dessus. On va voir ce que ça donne. Ouais. Bon, bah, je vous reprends maintenant. Il est 17h. J'ai pas mal travaillé cet après-midi. Je suis contente parce que j'ai pas mal avancé sur tout ce que j'avais à faire. C'est vraiment cool. Du coup, les enfants sont rentrés, bien entendu. Et ils ont goûté avec Sébastien. Et là, ils sont en train de se préparer parce que ce soir, il y a judo pour Clément et Kéliane. Donc, ils sont en train de certainement mettre leur kimono parce qu'ils vont pas tarder à partir. Je pense d'ici une demi-heure à peu près, ils vont partir. Et puis voilà, moi en attendant, là j'étais en train de regarder en fait parce que je travaille avec une graphiste sur la bannière de ma chaîne et sur le bandeau. Le bandeau en fait c'est la page d'accueil en fait de ma chaîne. Et là j'ai le rendu final, donc ça me plaît, je suis contente. Donc voilà, j'ai tout reçu aujourd'hui. Je pense que ce sera en ligne dès demain. Ouais, dès demain je mettrai tout en ligne avec la bannière en même temps. Bah, vous me direz ce que vous en pensez, hein. Moi j'aime bien, voilà, ça me plaît en tout cas. Là ce que je vais faire, je vais attendre qu'ils partent en fait, je voudrais tester une recette, enfin je sais pas si je vais avoir le courage, je vais voir, hein. Je suis en train en fait de regarder un petit peu, avec Sébastien on pense changer au fur et à mesure notre alimentation. Non pas parce qu'on mange mal, parce qu'en fait nous on mange maison. Quand est-ce qu'on part ? Bah, vous n'allez pas tarder à partir, c'est Kéliane qui rentre, voilà. Et en fait, bah, je pense que vous n'allez pas tarder à partir d'ici 30 minutes à peu près. D'accord. Et en fait, du coup, tu dis bonjour. Bonjour. Voilà, en tenue de judo. Donc en fait, voilà, c'est ce que je vous disais, je reprends. Donc, c'est pas qu'on mange mal, c'est juste que il y a des produits qu'on utilise quand on mange, qu'on peut en fait, éventuellement, qu'on pourrait changer par des produits plus sains. Bonjour. Elle te plaît ? Ouais. C'est la bannière en fait qu'il est en train de regarder sur l'ordinateur. Et donc du coup, voilà, voici la raison pour laquelle je voudrais au fur et à mesure qu'on change notre alimentation. Et on pense que ce serait quand même une bonne chose bah, pour tout le monde, pour toute la famille. Donc voilà, Sébastien a acheté des produits bio. Je vais commencer à les intégrer dans notre alimentation au fur et à mesure. Et ce soir, je voudrais tester une recette. Donc je vais voir ce que ça donne. Mon repas est prêt,
Ce soir, c'est moi qui ai cuisiné. Qui a dit que les femmes de cuisiniers ne cuisinaient jamais? Hein? Voilà ce que j'ai fait. Enfin, moi, j'ai le titre du vlog pour ce soir. Ma femme me met au régime. C'est presque ça. Regardez, une belle galette de légumes avec du jambon et une bonne petite salade à côté. Ben, franchement, je pense qu'on va se régaler. Avant que la sauce, s'il te plaît, papa. Qu'est-ce qu'en pense, mon petit cœur? J'aime pas ça. T'aimes pas la galette de légumes? Non. Ah ben, comme par hasard. Mais toi, chérie, franchement, toi, tu as cuisiné. C'est bon? Franchement, c'est bon. Vous avez réussi? Avec la poudre, enfin la farine d'amande, franchement, c'est super bon. Bon, on vous reprend maintenant. Il est à peu près 21h30, je pense. Ou peut-être plus. Un peu plus? Ouais, il est bien 22h. Bon, il doit être 22h à peu près. Je sais pas, en fait. Moi aussi, j'ai pas mon téléphone avec moi. Donc, il est à peu près 22h, on pense. Après manger, Sébastien est retourné chercher Kellyanne au judo. Tous les enfants sont couchés, normalement. Qu'est-ce qu'on a fait de particulier, chérie? Aujourd'hui, c'était un peu relax. Ouais, c'était un peu relax. J'étais, on va dire, parti pour faire beaucoup de choses, mais on va dire, je me suis un peu reposé. Ouais, mais ça fait du bien aussi de temps en temps, ouais, de se poser un peu. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai passé, par contre, beaucoup de temps à travailler, mais bon, au moins j'ai avancé, parce que quand Sébastien est là, c'est plus facile pour moi. Au moins, il peut s'occuper un peu de Warren en parallèle, donc voilà. Puis c'est tout. Regardez ce que je suis en train de manger. Petit bonbon. Non, toi ça va, c'est moi, bien. C'est un petit café. Moi, c'est des bonbons. Alors moi, en tout cas, concernant mes galettes, je suis très fière de moi parce qu'elles étaient bonnes. Je les ai goûtées, j'ai adoré. Donc je les referai. Le seul petit truc que je dirais peut-être, si je devais conseiller, c'est de faire revenir des oignons et un petit peu d'ail. Ouais. Voilà, juste pour donner un petit peu, pour relever un petit peu le goût. Mais sinon, c'était déjà très bon comme ça. Ouais, là, je suis d'accord avec toi avec l'oignon ou l'ail. Ou autrement, suivant les personnes, s'ils aiment le cumin, comme il y a de la carotte, ou suivant les légumes, ce qu'ils aiment comme, ouais, après, comme épice. On peut épicer peut-être, enfin, on peut assaisonner à son goût, en fait. Hein, tout ça. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Bah oui. Hein. On va donc vous laisser là. On espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, le liker et vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao. I have